is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi, c'est une journée très spéciale, hein. Je vous prends vraiment très tard, il est presque 4h, c'est normal. Voilà, je me suis préparée pour lundi, j'ai beaucoup rangé ce matin, j'ai nettoyé les chambres à fond, il me reste encore pas mal de petites choses à faire mais bon ça va. Pour le linge je suis presque à jour, j'ai pas mal de linge à plier mais au moins c'est propre. Et donc voilà, c'est cool. Aujourd'hui c'est Halloween, objectif. Faire passer du bon temps aux enfants malgré tout, même si on sait qu'on va pas pouvoir aller dans la rue frapper aux portes. Ceci dit, l'année dernière on avait déjà eu une mauvaise mésaventure. Voilà, c'est pas trop dans notre culture d'ouvrir nos portes, hein, aux enfants et de leur donner des bonbons. C'est vrai qu'en Angleterre c'est presque normal, mais ici on a encore un peu de mal, donc voilà. Donc, de toute façon on l'aurait pas fait. Bon, je profite pour vous montrer notre petite déco d'Halloween que j'ai fait rapidement, vraiment en, je pense, 40 minutes grand maximum, top chrono. Voilà, ça a été vraiment rapide, tout simplement parce que je n'avais pas tout ce qu'il fallait en déco. Alors, ici, j'ai placé la petite citrouille. Là, j'ai mis quelques ballons, une petite guirlande, voilà, histoire de... là, pareil, j'ai mis des toiles d'araignée. Tu as dit ? Il y a plein de télé. Oui, on a. On a l'impression. Ici, j'ai mis quelques petits ballons aussi. Voilà. Oui. Ici aussi, j'ai mis une guirlande. Voilà, des toiles d'araignée. Je crois qu'il doit y avoir un squelette par là qui s'est un peu perdu. Voilà. Ici, pareil. Et ici, même chose, voilà. Donc j'ai essayé de le faire un peu comme ça. Les enfants sont très très contents. Voilà, pour une déco qui était normalement pas prévue, parce que j'avais pas trop envie, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. De bonbons, voilà. Bon, évidemment ils vont pas manger tout ça, hein. Mais bon, ils étaient contents. Je voulais vous montrer ce qui m'avait été donné par la pharmacie gratuitement, bien sûr. Ce sont des masques jetables pour enfants, voilà, parce que j'ai fait un ou deux supermarchés et j'ai pas trouvé de masque, hein, tout simplement. Donc je pense qu'ils vont arriver d'ici la semaine prochaine. Mais en pharmacie, ils sont disponibles. Ce sont des masques qui ont été mis à disposition par l'État. Voilà, donc je trouve ça super sympa de leur part. Je dois en avoir une dizaine. Et ça va bien me dépanner, en tout cas pour la semaine prochaine. Bon, on fait une petite activité puzzle avec Warren. Le temps que papa rentre. Il est un peu à l'envers ton chien là, je pense. Vas-y, propose-le. Regarde. D'accord, je suis d'accord. Ça, on le retourne dans l'autre sens. Comme ça. On le met bien. Est-ce que tu vas voir que tu t'es trompé? Là, il est un peu bizarre, ton chien, là. Tu le remets? Allez.
Ça, c'est la queue, d'accord. Et ça, ça m'a... Où est-ce qu'il est, son corps? Oui. Très bien. Là, je suis d'accord. Mets-le bien. Non, il en manque un, mon chéri. Regardez, on a fait des petites gommettes. Il doit coller les bonnes formes au bon endroit. Là, il a réussi. Bon, c'est pas très bien collé. Hein. Ici, mais, ça va où, ça? Alors là, qu'est-ce que tu as, toi? Dans ta... Ça va où, ça? Qu'est-ce que tu as sur ton pouce? Ça s'appelle comment? Hein? Un carré. Ah. Alors, où est-ce que tu le mets? Non, il n'est pas droit. On remet correctement. On s'applique avec les deux mains. Les deux mains. Voilà, là c'est bien. Très bien. Voilà, tu vois, tu as bien réussi. Donc ça, franchement, ce que j'ai pris à Bureau Valais, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Tu veux faire le sapin? Oui. Oui? D'accord. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Comment ça s'appelle? Un triangle. Un triangle, oui. Il fait en vous. Il manque un là. Ah, mais c'est normal, on les utilise. Tiens, dis-moi d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça? Un carré. Ça? Un crayon. C'est quoi ça, Warren? Un cercle. D'accord, c'est très bien. On fait le sapin avec moi. On fait le sapin, mais il est de quelle couleur le sapin? Il est? Vert. Vert, donc il faut qu'on prenne la couleur verte. D'accord? Allez. Papa est rentré et du travail, il est crevé, mon mari, ça se voit. Oui. Alors, il nous a ramené ce plateau de fromage qu'on a commandé hier chez notre fromager ici à Royan. C'est la fromagerie de Maeva et son fromage, il est juste délicieux. Voilà, c'est une tuerie. Elle a mis un peu de tout. Tu connais tous les fromages qu'il y a là, chérie, oui. Ou pas? Alors, deux saisons, hein. Alors, vas-y, chérie, ça c'est quoi? Ça, c'est de l'abondance. Ouais. Après, là, on a un petit fromage frais de brebis. Je crois que c'est du Perrail ou ça doit être ça. Là, c'est des. Alors, on peut faire des petites bouchées apéritives. C'est un petit fromage, mais c'est sec. Donc ça, c'est vous pouvez quoi, manger. Comme c'est fromage, ben, un fromage de chèvre. D'accord. Ok. Après, là, on a une tomme brûlée. Donc ça, j'ai jamais goûté. On va voir ce que ça donne. Là, on voit que c'est brûlé sur le dessus. Ouais. Là, un petit fromage de chèvre cendré. Ok. Et là, de l'abondance. D'accord. Et ça, ça me rappelle la. Comme on appelle ça, l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, on servait les plateaux de fromage avec de la pâte de coin. Donc ça, c'est... Et ça, c'est quoi, ça, sur le côté? C'est ça, la pâte de coin. Ah, d'accord, ok. Voilà, et d'accord. Là, je me suis... j'avais demandé du Stilton. Ils n'avaient plus de Stilton, donc là, c'est... j'ai pris ce petit fromage anglais. Vous voyez, hop, qui te fait ressembler, tu sais, tu t'en souviens au fromage, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était de la même couleur en Angleterre. Ah non, je ne sais pas. Mais là, je l'ai pris de cette couleur, on va goûter. Mmh. Tu goûterais lequel, toi, si... Moi, celui-là. Ouais, j'en étais sûre. Oui. enfin, ou peut-être pas. Jules? Non. Non, c'est une blague. Non, c'est pas Jules. Donc, là, j'ai perdu. Est-ce que ton personnage a, un, a une moustache? Non. Ah, oh, bah, l'autre, moi, non. À toi? Ben, bah, je suis mal. Ton personnage porte un bonnet? Non. Est-ce que ton personnage porte un béret? Non. Bon, ce soir, c'est légumes, donc haricots verts et petite escalope par papa. Yeah. Voilà. Et c'est quoi, tout. Ça, maman? De quoi? Ça. C'est un oignon. Ouais. Bah, des bon appétit. My heart is beating to the rhythm of